بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. خلال هذا الفيديو سنقوم بتصحيح بروجي 1 ضمن سلسلة وورد أو موس وورد 2006. بالنسبة للبروجي ديالنا هو هذا، on va fractionner tout d'abord le projet pour avoir les tâches en dessous. Alors, غادي نفراكسيون البروجي ديالي هنايا باش يبقاو عندي لي كيستيون لتحت مع البروجي الفوق. Alors, pour la première question ou bien la première tâche, au bas de la première page, trier le tableau en fonction du champ produit par ordre croissant. Donc, tout d'abord, je vais chercher au bas de la première page le tableau de ديالنا ou هذا. Donc, il suffit باش نكليكي على le tableau ou كيبان عندي واحد لونكلي dynamique هنايا. La question c'est trier le tableau en fonction du champ produit par ordre croissant. Donc le tableau qui est ici, le tableau est radié à l'extérieur, mais il est en deux parts, la première et la deuxième. Alors, pour la première page, il suffit de cliquer sur ce tableau, n'importe où, le la florence de la film, et il y a l'onglet dynamique, outil de tableau. Il y a deux onglets, création et disposition. Pour l'onglet création, qu'est-ce que tu as touché à la total dans le tableau, tel que les styles, les trames de fond, etc. Mais quand je fais le jeu, il y a des modules. Quand je t'ouvre l'onglet disposition, ou le halal, il y a trier le tableau en fonction du champ produit. Alors pour le champ produit, il y a le tableau quand même. Donc, il y a disposition et je vais sur trier de A à Z. Donc, on a besoin de trier en fonction du champ produit. Voici le champ produit. Et par ordre croissant, voici ordre croissant. Et je valide par OK. Donc, maintenant, le tableau est trié. Alors, pour la deuxième tâche, configurer le tableau. Toujours sur le tableau, tarif et produit. Tarif et produit, c'est le titre du tableau. Le voilà. De manière à ce que les titres des colonnes se répètent sur la page suivante. Et là, les titres des colonnes, هما هادو ديال لون تيت ما كيتعاودوش عندي هنايا. الوغ الا دركتهم ما كنبقيش نعرف انا شنو هما هاد لي تيتغ. دابا باش انني يتعاودو عندي في لا دوزيام باج، جو سيليكسيون لا لين اي جو في توجور سير لونغلي ديسبوزيسيون دو لونغلي ديناميك اوتي دو تابلو، عندنا ريبيتي لي لين دون تيت. روكاردي هنا هاد البلاصة خاوية، دونك فاش غنكليكي على ريبيتي غادي يبانو عندي هنايا كوم سا. الوغ شتهم هما ولاو تيبانو، فاش تنكون في دوزيام باج كنعرف اشنو هما les entêtes lignes. Pour la troisième tâche, dans la page 2, donc voici la page 2, il fait un an, créer un tableau à partir du texte date de création, l'équipe de date de création, qui est libre 77. Donc, Miken chauffe les trois points, c'est-à-dire la première ou bien le premier mot, ou qui est libre le dernier mot. Donc, un clé à la date de création jusqu'à 77, qui est libre. من هنا وكنزل حتى لهنايا 77. Ce tableau doit comporter 5 colonnes couvrant toute la largeur de la fenêtre. Donc انا سيليكسيونيت لو تيكست ديالي، je vais convertir هذا لو تيكست en tableau. Alors غادي نمشي insertion tableau convertir le texte en tableau et je vais ajuster à la fenêtre. حتى عندي هنايا les colonnes doivent couvrir ou bien doivent couvrir toute la largeur de la fenêtre. Donc, il y a nombre de colonnes 5. Voici nombre de colonnes 5. Et je valide par OK. Et voilà mon tableau est créé. La quatrième tâche, dans la page 2, toujours dans la page 2, à droite de mode lecture. Donc, à droite de mode lecture, ici. Pardon, à droite, c'est pas à gauche. Insérer une note de bas de page. Pour insérer la note de bas de page, je vais toujours sur référence. Voici la note de bas de page. Alors, couper le texte remarque, l'équipe d'ab remarque, ok, interrib se complète mutuellement et coller-le dans la note. Donc, voilà le texte que je vais couper. D'accord. Juste le texte, juste le point. Bouton droit, couper ou bien CTRL X. Alors, et coller-le dans la note. Donc, je vais créer une note à droite de mode lecture ici, référence, insérer une note de bas de page. Et dans la note, je vais faire CTRL V et voici le texte est collé. Pour la cinquième tâche,
Dans la zone située entre le paragraphe décrivant le mode lecture et le titre, programmation séquentielle, donc un head mode lecture, le paragraphe les et le titre programmation, je vais chercher, voici le paragraphe qui suit mode lecture et le titre. Donc entre les deux, je vais poser le curseur ici, ajouter un diagramme de processus simple en chevron. Donc un diagramme, c'est un smart art, donc Radimchi insertion. Smart Art, et voici le processus, et voici le processus simple en chevron. Il suffit باش انك تسيرفولي فوق منهم وكيبانوا الاسماء ديالهم. هذا هو processus simple en chevron. Je sélectionne et je valide par OK. Donc voilà, et je vais ajouter du texte dedans. Donc le texte galic, ajouter un diagramme de processus simple en chevron, insérer dans ce diagramme les textes suivant, de gauche à droite, c'est-à-dire Milena, Loul, Tani, Telt. Lecture aléatoire, mode pause, augmenter le volume. Donc là, je vais utiliser le menu Hunaya. Radimchi, lecture aléatoire, bouton droit, copier. Et je clique sur coller. Je fais un collage du texte seulement, pas de la mise en forme. Donc bouton droit, copier. Toujours dans ce diagramme, je valide OK. Alors ici, le point d'exclamation est inclus, copier, et le dernier texte, le voilà, donc Hawa, le diagramme d'Yali, écrit. Pour la tâche 6, ajouter le texte vidéo aux propriétés d'état du document. Donc je vais copier tout d'abord le mot vidéo pour l'ajouter dans, pour ajouter ce mot dans les propriétés d'état du document. Donc je vais dans fichier, je vais à, afficher toutes les propriétés pour afficher la propriété état. Ici je fais coller. Donc la dernière tâche, afficher les symboles de mise en forme des tabulations dans le document. Veuillez à n'afficher aucun autre symbole de mise en forme. Donc je vais sur fichier, options, affichage, et cocher tabulation et valider par OK. Donc le document Diana est bien créé. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نحن الآن بصدد صحيح بروجي 2 من سلسلة موس وورد 2006 Tout d'abord, je vais fractionner le document pour avoir les tâches en dessous. Alors, fractionner. Donc, voici les tâches. Et voici notre document en dessous. Pour la première tâche, insérer le contenu du fichier accueil situé dans le dossier objet des projets après la ligne horizontale vers le milieu de la page. Donc pour faire cela, je vais tout d'abord chercher l'emplacement où je vais insérer ce texte. Donc après la ligne horizontale vers le milieu de la page. Donc voici la ligne horizontale, donc après c'est ici, donc après la ligne horizontale, donc je vais à insérer, après juste dans le groupe texte, je vais à insérer texte d'un fichier. Donc je clique le texte d'un fichier et je vais dans je vais chercher le fichier accueil.docs, le voilà, je clique et je valide par insérer. Donc voici la première tâche. La deuxième tâche, appliquer l'effet bezeau arrondi adossé à l'image de la tasse de thé, le sachet et la fleur. Donc voici l'image, je vais appliquer un effet bezeau arrondi adossé. Je sélectionne l'image, je vais sur l'onglet dynamique mise en forme et je clique sur un effet d'image, voici bezeau arrondi adossé, le voilà, et je valide par en cliquant, je valide en cliquant sur l'effet demandé. La troisième tâche, déplacer l'image contenant une tasse de thé, le sachet et la fleur juste en dessous du titre thé vert. Donc je vais déplacer cette image
Donc bouton droit couper et je vais en dessous du titre T vers bouton droit coller. Ou bien je fais CTRL X et je vais ici, je mets CTRL V. Donc voici l'image est collée en dessous du titre T vert. Pour la tâche 4, ajouter l'image bold T vert JPG située dans le dossier objet des projets sous le texte dans l'encadré. Donc je vais chercher l'encadré Wanda. Donc en dessous, voici le curseur ici. Alors je vais sur insérer, image, pardon, je vais insérer, image, et je clique. Donc voici bold T vert, insérer. Donc la dernière tâche, réorganiser le texte dans le graphique Smart Art afin de faire apparaître les T verts chinois au-dessus de le T machin mélangé. Donc voici le Smart Art. La forme tenia jitet mena de la forme. Donc je sélectionne et je vais la deuxième en chez l'onglet dynamique création et je fais descendre ou bien je sélectionne mena directement. Donc les descendre pour monter cette forme je clique comme ça et pour descendre je clique comme ça. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wa salam ala asraf al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc le projet numéro 3 FMOS World 2006. Alors pour la première tâche, régler l'interline de sorte que la totalité du document soit à double interline. Donc ici je fais CTRL A pour sélectionner tout en faisant le raccourci du clavier CTRL A. On sélectionne le tout et on va à accueil, interline, option d'interline, et je mets ici interline double et je valide par OK. Donc les interlignes sont en double. Pour la deuxième tâche, couper le deuxième paragraphe sous le titre les compétences et coller-le entre les deux paragraphes situés sous ce titre capital des compétences internes. Donc je vais chercher tout d'abord le titre, le sous-titre les compétences qui commence par les compétences. Donc voici le titre, les compétences au service de la stratégie. Donc couper le deuxième paragraphe. Donc je vais chercher le deuxième paragraphe. Parce qu'on a le paragraphe, je peux faire add le marqueur qui atteint le début et la fin du paragraphe. Voici la fin du premier paragraphe et voici la fin du deuxième paragraphe. Donc je vais sélectionner tout le paragraphe et je clique couper. Donc là, et je vais, pardon, je vais et coller-le entre les deux paragraphes situés sur le titre capital des compétences. Donc juste entre les deux, entre le premier et le deuxième. Donc on dit le marqueur, on dit le paragraphe ici, on dit Ada. Voilà. Donc je vais ici et je mets et CTRL V. Et voici le paragraphe est collé entre le premier et le deuxième. Donc pour la tâche numéro 3, modifier la mise en forme du texte commençant par une question inévitable et se terminant par la fonction de l'entreprise avec l'attribut en phase intense. Donc je vais chercher le texte. Alors je vais copier le texte et je clique sur chercher. Donc voici le texte. Donc les marqueurs. Juste tel le point qui fait la question. La question est donc
telle entreprise, entreprise le point. Et je vais appliquer l'attribut en phase intense. Donc voici les attributs ou bien les styles. On va dire en phase intense, c'est-à-dire en phase pâle, c'est-à-dire en phase intense. Donc la tâche 4, insérer un nom theta bond qui ne sera pas affiché sur la première page. Donc je vais à l'onglet insertion, je clique sur en tête et je cherche l'entête à bond. Je clique comme ça, il y a déjà inséré et qui ne sera pas affiché sur la première page. Donc je décoche première page différente et c'est terminé. Donc la cinquième tâche, créer un signé nommé budget formation. Donc je vais sélectionner le texte, copier pour le mettre dans le signé. Donc créer un signé nommé budget formation pour le sous-titre budget formation. Donc dans le document, je sélectionne le titre d'ILU ou bien je pose le curseur seulement juste avant le titre. Donc je sélectionne le titre. Je vais faire insertion, signé, et je mets coller, ajouter, donc Hawa le signé est créé. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala asraf al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. C'est le projet 4 d'Emna Moss World 2016. Donc on va voir la première tâche. Ajouter un saut de section page suivante immédiatement avant pays par organisateur au bas de la première page. Donc je vais chercher le titre au bas de la première page. Donc voici la première page, voici le titre. Et je vais ajouter un saut de section page suivante. Donc je clique avant le titre. Je vais mise en page, saut de page, saut de section page suivante. Pour la deuxième tâche, ajouter une numérotation de page de type barre d'accentuation 2 au bas de chaque page. Donc je vais avoir une numérotation de page de type barre d'accentuation au bas de chaque page, donc au-dessus de chaque page. Je vais insérer un numéro de page au bas de la page barre accentuation 2. Je vais juste ici, donc voici barre accentuation 2, et je clique. Donc pour le reste des questions, ici la deuxième, voici la troisième. Localiser la liste qui suit le sous-titre Brésil et la Coupe du Monde et modifiant la numérotation en utilisant les lettres majuscules A, B, C au lieu des chiffres. Donc je vais chercher d'abord le titre. Le titre. Voici la liste qui suit ce titre. Et je vais changer les lettres. Je vais chercher changer les chiffres 1, 2, 3 par des lettres A, B, C. Donc soit je sélectionne la liste comme ça, soit je sélectionne les numéros et je vais sur A, B, C et je clique. Quatrième tâche, appliquer le style vert accentuation 6 plus clair 80 comme couleur d'arrière-plan de la page. Donc je vais sur création. Voici couleur de page, je sélectionne et je sélectionne la couleur vert accentuation plus clair, accentuation 6 plus clair 80. Tâche 5, dans la section pays par organisateur, reconfigurer les valeurs de la liste pour commencer à partir du nombre 1071. Donc je vais sur la liste, l'IAD. Donc là, je vais cliquer sur les puces numérotées et je vais sur accueil définir la valeur de numérotation ou bien bouton droit sur la liste définir la valeur de numérotation et je commence par 1071 et je valide par OK. Donc il y a une petite erreur, normalement il y a directement mais juste un problème de tabulation. Donc c'est la dernière question. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala asraf al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
le projet 5, Moss World 2016, la première tâche mettait en surbrillance avec la couleur sillon le texte de la ligne qui commence par yaourt. Donc je vais chercher la ligne, la voilà, Yahdi, et je vais mettre ce texte en surbrillance avec la couleur cyan. Donc je vais sur accueil, voici le stylet de surbrillance et voici la couleur cyan. Deuxièmement, mettez en forme le titre liste de courses mensuelles comme zone de texte. Donc le titre indique Wahada, liste de courses mensuelles. Je sélectionne le texte et je vais sur l'onglet insérer dans le groupe texte indique insérer un objet Word Art. Donc là, je vais chercher le style de mon remplissage dégradé gris Wahada, remplissage dégradé gris. Et voici le titre. Et modifie. Utilisez la fonction de rechercher et remplacer pour remplacer toutes les occurrences instantes de légumes par fruits. Donc je vais chercher légumes, copier. Je vais aller sur l'onglet accueil, remplacer. Voici légumes. Je vais chercher les mots et je vais les remplacer par fruits. Et je fais coller ici. Je clique remplacer tout. Oui. OK, il a trouvé 6 sur remplacement. OK, fermé. Donc, pour la tâche numéro 4, ajouter une forme parchemin horizontal avec le texte le mois de décembre 2017. Donc, je sélectionne ce texte, copier, et je vais juste à la fin ici, j'insère une forme appelé parchemin horizontal. Voici la forme, il y a dit parchemin horizontal et je trace la forme comme ça, bouton droit, coller le texte et aligner cette forme au centre en bas de la page. Donc pour l'alignement, je vais positionner l'image au centre en bas de la page. Soit j'utilise cet outil, soit je vais modifier les options de disposition afin de la centrer par rapport à la page. Donc je vais horizontalement et là centrer par rapport à page, alignement en bas par rapport à page et je clique OK. Donc voici la forme parchemin est alignée au centre en bas de la page. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بحول الله نصحح بروجي سات من موس وورد 2016. دونك لي طاش هما هادو لو دوكيمون دو ترافاي وهذا avec le titre les fruits secs. Ajouter du texte de remplacement au tableau en mettant comme titre fruits secs avec la description liste des dates. Donc on va chercher tout d'abord le tableau. Alors avec un bouton droit sur le tableau, on va sur propriétés du tableau. Alors là, on a une boîte de dialogue, les fait à des onglets. Alors on va sur texte de remplacement. Voici le titre et voici la description. Donc, on va faire un copier-coller des fruits secs. Alors, on va faire un copier-coller. Copier. Bouton droit. Propriété. Et je colle fruits secs. Le titre. Et comme description, on va faire copier. Bouton droit. Propriété. Et je vais sur la description. OK. Pour la deuxième tâche, dans la phrase qui commence par la noix se situe à l'extrémité, insérez un symbole marque déposée à la fin de poivron de couleur. Donc la phrase qui commence par la noix et se termine par un point de couleur à la fin, on va mettre un symbole de marque déposée. Donc je vais chercher la phrase Hadi. Alors, onglet bouton droit, copier, accueil, chercher. Donc, il a trouvé deux emplacements, la voilà, Yahdi, d'accord?
هنا نرجعو حنا هنايا لا كيسيون. الوغ هنا لا فراز هي هادي. دونك على فان دو لا فراز كي سو تيرمين بار كولور. À la fin, on a après S, on a le curseur, on a inséré, symbole, autre symbole, et je vais chercher les symboles avec le latin 1. Alors, supplément latin 1, et je clique. Alors, ça, c'est le symbole de copyright, et ça, c'est le symbole de marque déposée. Ah ouais, le titre dit le symbole marque déposée. Je clique. Et je clique sur insérer. On va devoir insérer la voilà, elle est déjà insérée. Et je ferme. La troisième tâche, appliquer au tableau le style tableau gris 1 clair accentuation 2. Donc je sélectionne le tableau ou bien je clique dedans. Maintenant l'onglet dynamique création et je cherche le style nommé tableau gris. Alors, voici le tableau gris 1, voici la liste des tableaux gris 1 avec une accentuation 2. Je pense il y a dit tableau gris 1 clair 2, clair accentuation 2. Donc how to apply là le tableau. Quatrième tâche, inspecter le document et supprimer toutes les informations personnelles que vous trouvez. Donc allez chez le fichier, allez vérifier l'accessibilité, je clique et inspecter le document. Alors pour inspecter le document, on va supprimer toutes les informations personnelles que vous trouvez. Alors inspecter le document, oui, je clique sur inspecter et voilà les propriétés et les informations personnelles demandées. Alors là les informations personnelles et je clique sur supprimer tout. Fermé. Donc c'était la dernière tâche. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salat wa salam ala ashraf al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nisbelle le projet 6, Mansour 2016. Alors pour la première tâche, à l'aide de la fonctionnalité atteindre, accéder au cinquième titre et supprimer le premier paragraphe qui suit celui-ci. Donc maintenant, je vais aller sur l'onglet accueil. On dit le groupe édition, on dit la petite flèche ici et je clique sur atteindre. Et là je vais atteindre le cinquième titre. Donc je vais à la fin de cette liste titre et j'écris ici 5. Je clique sur atteindre. Donc pour la première tâche, à l'aide de la fonctionnalité atteindre, accéder au cinquième titre et supprimer le premier paragraphe qui suit celui-ci. Donc je vais dans l'onglet accueil, dans le groupe édition, il y a une fonction qui s'appelle atteindre. Donc je vais toujours ici dans le titre et j'écris 5 ici et je clique sur atteindre. Donc je ferme. Voici le cinquième titre. Donc là, pour savoir où est le premier paragraphe, je dois marquer les paragraphes ici. Donc voici le premier paragraphe qui se termine par y parvenir. Donc là, je vais supprimer le paragraphe en effaçant le premier paragraphe. Donc al-hidadou. Après, je passe la deuxième tâche, ajouter des puces à la liste en retrait à partir de Bidji Formation. Donc, finalement, il y a Bidji Formation, et il y a la liste en retrait. Donc, là, je sélectionne et je mets des puces comme ça dans l'onglet accueil. Je clique sur des puces. Troisième question, ajouter une page de garde à bond, supprimer l'espace réservé, adresse de la société. Donc, là, je vais chez fichier. Pardon, on dit la création, mise en page, juste non, insertion, pardon, insertion. Donc là je vais insertion, page de garde, et je clique sur abond ici. Pardon, il y a quelque chose qui ne va pas.
Donc je vais sur l'onglet insérer, page de garde, et je vais sur abonde comme ça. Donc voici la page de garde. Pardon, ajouter une page de garde, supprimer l'espace réservé, adresse de la société. Donc, l'adresse de la société, je dois la supprimer. Si je supprime par exemple ça, d'abord l'espace réservé. Donc, je dois la sélection, je dois sélectionner adresse. Le bloc, il doit être en bleu et je clique sur supprimer. Quatrième tâche, après le saut de section, modifier l'orientation pour la mettre en mode paysage. Et là, je finis le document. Je vais chercher le saut. Donc, voici le saut de section. Après le saut de section. Donc, là. Donc, à dire la soit. نكون انا مثلا هنايا في لو ديبي دو لا باج كنمشي لا فونكسيون اتاندر اي جو في ا لا سيكسيون انغولي سويفون هو ديريكتومون هو تاني لا سيكسيون دونك هنا جو في ميتر لورينتاسيون دو لا باج ميز اون باج اورينتي بيزاج دونك هاي لا باج ايت اورينتي او ديسو دو سو تيتر اوبليغاسيون ليغال انا او ديسو يعني قبل منو هكذا. دونك انسيري لو كونتوني نورمالمون خص يكون عندنا ان اسباس اونتر لي دو باش نكليكي انا هنايا نقول او ديسو بويسك هو ما عنديش دونك جو في بوزي لو كورسور افون لو تيتر اوبليغاسيون ليغا انسيري لو كونتوني دو فيشي رومبورسي فو كليون بوان ار تي اف سيتوي دون لو دوسي اوبجي دي بروجي دونك غادي نمشي لانسيري جروب تكست texte d'un fichier. Donc je clique et voici le fichier demandé rembourser vos clients.rtf et je clique sur insérer. Donc c'était la dernière tâche. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salat wa salam ala ashraf al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fi hadha al-video sanqoum bi tashih ta'limat al-muta'alliqa bil projet 9 MOS World 2016. Awel CL, ajuster les marges de page de façon à les mettre en miroir. Donc on va sélectionner dans l'onglet mise en page, on va sélectionner les marges en mettant en miroir. Donc pour page, marge en miroir. Alors pour la deuxième question, ajouter la zone de texte citation abonde en bas de la page de couverture dans la partie centrale et insérer le texte qui commence par gagner joue kada jusqu'à mascouche. Tout d'abord, je vais copier le texte. Copier. Après, on va sur la page de couverture. Donc, je fais juste cliquer sur la page, je vais sélectionner l'image. On clique en dehors. Puis, je clique insertion et je vais sur zone de texte et voilà citation abonde. Il a dit, tu cliques il y a. Donc là, je vais coller le texte, copier. Alors coller avec, je conserve seulement le texte sans mise en forme et je clique. Donc voici la zone de texte est insérée avec le texte demandé. Puis je vais la déplacer en bas de la page dans la partie centrale. Donc je sélectionne la position et je choisis centre en bas. Comme ça. Donc pour la troisième tâche, dans la dernière page, mettez à jour la table des matières. Alors je vais chercher dans la dernière page, l'IED, la table des matières. Je clique sur la table. On dit un bouton là, mettre à jour la table. Je clique. Et je choisis mettre à jour toute la table. OK.
Pour la quatrième tâche, dans la dernière page, sous le titre conclusion, voici le titre conclusion, sous le titre conclusion, insérez le contenu du fichier conclusion.docs situé dans le dossier projet. Donc, je vais sur l'onglet insertion, je vais à ici le groupe texte, texte d'un fichier, et je choisis le texte demandé, les voix conclusion.docs. Conclusion, et je clique sur insérer. Donc, pour la dernière tâche, inspectez le document et supprimez toutes les données XML personnalisées que vous trouvez. Donc, à dire, fichier, vérifiez l'absence, inspectez le document, oui, et je clique inspecter. Alors, là, je vais choisir les données XML. Un autre projet, quand on a les informations personnelles, quand on a supprimé tout, maintenant, les données XML personnalisées. Données XML personnalisées, supprimer tout et fermer. Donc ça, c'était le projet 9. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نصحح بروجي 8 MOS World 2016 Donc la première tâche appliquer une bordure de page de type encadrement à l'ensemble du document avec une largeur de 3 points et de couleur or accentuation 4 Donc je vais sur le document et sur l'onglet création dans les bordures de page et je vais sur le type encadrement voici encadrement à l'ensemble du document et appliquer à tout le document avec une largeur de 3 points largeur 3 points et de couleur or accentuation 4 donc on a accentuation 6 accentuation 5 4 3 2 1 donc là, je vais sur accentuation 4 les voix or et je clique sur OK. La deuxième tâche, configurer le texte sous le titre, un périmètre et des priorités de manière à ce qu'il glisse à gauche de la photo. Donc pour faire cela, je vais chercher d'abord le texte, finalement un périmètre des priorités, c'est le titre, donc le texte qui suit ce titre. Voici le titre. Et voici le texte. Donc, le texte m'a de la partie tenir. La question c'est que le texte il va glisser à gauche de l'image. Donc, c'est pour cela on travaille sur l'image. On dit sur l'image, sur la mise en forme, ou à dire l'habillage. Habillage, on dit du lot autre option de disposition. D'accord? Donc, radin le kawa de l'habillage comme ça, aligné sur le texte. Donc, on a habillé le texte seulement à gauche. M'chi à gauche. Donc, je vais choisir encadrer et je vais seulement à gauche et je clique OK. Le voilà. Le texte d'Yeli, il glisse à gauche de l'image. Troisième tâche, créer un signé sur le titre un projet de territoire. Nommer ce signé projet. Donc là je vais sur le titre. Voilà. Je sélectionne le titre ou bien je mets le curseur avant le titre. Donc je sélectionne insérer, signer, voilà. Et pardon, je vais copier le nom Hada, copier. Et je vais sur le titre, insérer, signer, je colle le Hada, ajouter. Et c'est terminé. Donc pour la tâche 4, dans la dernière page, voici la dernière page, sous le titre pour nous contacter, sous le titre pour nous contacter, transformer l'adresse web en lien hypertexte. L'adresse, on va la transformer en lien. Donc je vais sélectionner l'adresse comme ça, insérer lien, pardon, lien hypertexte, et voilà l'adresse du lien, et voici le texte, là, déjà sélectionné, et je clique sur OK. Donc voici le lien. Page 5. En bas de la dernière page, remplacez le texte symbole
par le symbole copyright. Donc, le texte, le symbole, il va être remplacé par le symbole copyright. Bhal ki drna le symbole fi le vidéo sabiq fi le projet 7, drna symbole marque déposée, hada ndiru symbole copyright. Mais faites attention, on a de les crochets dakhli hatta huma fi le texte. Donc tu en khsom yhilou. Alors hna je sélectionne, mais faites attention, c'est juste le crochet. Mais sélectionnez chaque l'espace entre symbole et maison. Donc sélectionnez le texte. Je vais sur insérer, symbole, autre, symbole. Toujours, on va sur le supplément latin 1, parce que je vais le symbole d'Yana, et voici le symbole copyright. Je sélectionne, symbole copyright, insérer. Et je ferme. Donc le voilà, le symbole a remplacé le texte symbole. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بحول الله سنصحح الأسئلة المتعلقة ببروجي 10 موس وورد 2016. Donc pour la première tâche, sélectionnez la première section du texte, le collège américain of basketball and terminal scope jusqu'à le texte très élevé, et modifie la mise en page pour la mettre sur deux colonnes avec un espacement de 0,8 cm. Donc je vais chercher le texte. Donc voici le texte, le collège, jusqu'à très élevé, c'est-à-dire. Donc je sélectionne le texte, comme ça. Même s'il y a l'image dans la sélection, ce n'est pas un problème. Alors je vais. Voici le texte en deux colonnes. Deuxième tâche, sur la dernière page à gauche du titre, étape 3, donc la dernière page, la voilà, à gauche du titre, ici, et là, insérer un pseudo-page de type habillage du texte. Donc je vais toujours sur le même onglet, mise en page, pseudo-page, voici le pseudo-page de type habillage du texte, au col. Donc, tâche 3, dans la dernière page, sous le titre, pour aller plus loin, donc là, sous le titre, qu'est-ce qu'on va mettre? Transformer en liste les paragraphes capitales jusqu'à jusqu'à entraîneur de l'équipe de France. Entraîneur de l'équipe de France. Appliquer une puce personnalisée créée à partir de l'image vérification.jpg. Situé dans le dossier objet des projets. Donc je vais sélectionner le texte tout d'abord en sélectionnant la liste, il y a dit, et je vais sur l'onglet accueil, puce, définir une puce. Alors je vais chercher une image, cette image nommée vérification.jpg, je travaille hors connexion. Donc, dans le dossier objet des projets, indique l'image vérification. Je clique insérer. OK. Pardon, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, là, je cherche définir une puce. Image, travailler hors connexion, vérification, insérer. OK. Donc, on va sur la tâche 4, appliquer l'effet artistique photocopie à l'image sur la dernière page. Donc, je cherche l'image, il est dit, je clique. On va appliquer à cette image l'effet artistique photocopie. Donc, je vais l'onglet format, et voici les effets artistiques. Donc, parmi les effets artistiques, voici l'effet photocopie. Donc, voilà, et je clique. Donc la cinquième tâche, dans la dernière page, changer la couleur des bordures de l'image en sélectionnant bleu accentué sur 1, plus sombre 25. Donc je sélectionne l'image. L'image c'est un objet.
Donc chaque quand je sélectionne un objet, un nouveau onglet dynamique apparaît ici. Donc voici l'onglet format et je vais dans les bordures. Donc je vais appliquer une bordure de l'image. Donc bordure bleue accentuation 1. Le voilà avec un sombrage de 25 Wh. Et je clique. Donc c'était la dernière tâche. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين في هذا الفيديو سنحاول تصحيح بروجي 11 ضمن MOS Word 2016 Donc pour la première tâche, configurer la fonction correction automatique afin de remplacer UV par UVAH minuscule. Alors, donc on va à l'onglet fichier, options, vérification, option de correction automatique et j'écris UV, remplacer UV par le texte demandé UVAH minuscule et je clique sur ajouter, OK, OK. Donc c'est la première tâche. La deuxième tâche, réduisez d'un niveau les paragraphes I2I dans la liste. Les paragraphes résultants doivent devenir A, B. Donc, je vais chercher tout d'abord la liste. Donc, voici la liste. 1, 2. Donc, voilà, il y a la liste, les demandés. I, 2. 1, petit 1, petit 2. Donc, je sélectionne la liste, comme ça. Après, je vais sur l'onglet accueil. Dans le groupe paragraphe, où il y a les puces, je modifie le niveau. Et je clique sur le deuxième niveau, c'est A. Donc voici les paragraphes résultants doivent devenir A et B. A et B. La tâche 3. Incluez les deux derniers paragraphes. La première ligne contient le nom. Donc le paragraphe qui commence par la première ligne et qui se termine par 8 chiffres. Dans la liste numérotée, poursuivez la séquence de numérotation existante. Donc, je vais chercher les deux paragraphes. On va à la fin. Donc, les voilà. L'équipe d'âme, la première ligne, tatata. Et c'est celle de la 8 chiffres. Donc, je sélectionne les deux paragraphes. Et avant la sélection, je reproduis la mise en forme de la liste précédente. Donc, je clique et je clique sur reproduire la mise en forme et je sélectionne les deux paragraphes et voici la numérotation est continuée 5, 6, 7. Pour la tâche numéro 4 dans la dernière page, la voilà, il a dit supprimer toute la mise en forme appliquée à en date du 11 décembre 2017. Donc Hawa le texte les demandé. Donc le texte, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer la mise en forme. Donc pour supprimer la mise en forme, il y a un outil donc c'est effacer toute la mise en forme et je clique. Pour la tâche numéro 5, dans la dernière page, mettez le texte calendrier et programmation annuelle. Donc le texte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le texte en gras et je vais appliquer un trait de soulignement épais bleu. Puis, je mets la taille de police à 14. Donc, tout d'abord, en gras, avec un trait de soulignement épais bleu, donc un soulignement épais, le voilà. Et je change la couleur avec bleu, voici bleu. Après, la taille, c'est 14. Donc c'était le dernier et c'était la dernière tâche. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salat wa salam ala ashraf al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fi hadha al-video sanusahih projet 12 MOS Word 2016. Donc pour la première tâche, appliquer le jeu de style informel au document. Donc le document diali wahda. Alors, je vais appliquer le jeu de style informel au document. Pour faire cela, je vais à l'onglet création,
Donc, dans l'onglet création, il y a plusieurs jeux de style. Donc, je vais chercher l'un de ces jeux de style qui est nommé informel. Donc, voici informel. Le voilà. Et je clique. Deux, au bas de la première page, dans la partie centrale, paramétrer l'interligne de nom de la société, adresse et code postal. Donc, voici la première page. Au bas, au centre. Donc, wahada. Donc voici le texte demandé. On va dans l'onglet accueil et les interlignes. On clique sur options d'interligne ou bien le gros paragraphe et je clique sur le bouton des options supplémentaires des paramètres des paragraphes. Alors ici interligne, je vais mettre à exactement et 14 points. Je valide par OK. Donc pour la troisième tâche, dans la partie droite de la dernière page sous la photo, donc je vais chercher la dernière page. Il a dit, donc a dit c'est la dernière page sous la photo ici. Insérer le contenu du fichier liste des rivières situé dans le dossier projet. Donc je vais dans l'onglet insérer. Ici dans le groupe texte, je vais insérer un texte d'un fichier et voici le texte, le fichier demandé, liste des rivières.odt, et j'insère comme ça. Donc le voilà. Quatrième tâche, dans la dernière page, au-dessus du titre, les rivières font partie des zones humides. Donc voici la dernière page. Au-dessus, ici, et là. Insérer la photo bien faite située dans le dossier objet des projets. Donc, on va cliquer sur l'onglet insérer, image, et voici l'image bien faite demandée. J'insère comme ça. Donc, le document est terminé. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو سنصحح بروجي 13 MOS Word 2016. La première tâche, appliquer le style élevé aux rubriques les premières éditions en page 1 et un concept proche au rallye, du rallye Paris-Dakar en page 2. Donc je vais appliquer un style. Elle a des rubriques, la première il a dit et le deuxième titre WAD. Donc là je vais sélectionner tout d'abord le titre numéro 1 comme ça, voici le titre, et je vais accueil élevé, voici le style élevé. Donc au niveau de la sélection, Moumkin sélectionner le titre Tariqa. Donc là je sélectionne tout le paragraphe bima fi dakhla de la partie de la sélection, ou mumkin sélectionner seulement et le texte sans le paragraphe comme ça. Donc c'est la même chose, il n'y a pas de problème. Alors bach taraf, il suffit de mettre les marques bah tariqa ou kibal lik hawa le paragraphe hna. Donc fash katselectionner hna, donc juste end s hada c'est le texte. Regardez, quand je coupe kibqa le paragraphe l'emplacement dialo, mais quand je sélectionne tout le paragraphe, quand je coupe, le paragraphe est supprimé. D'accord. Donc là, il n'y a pas de problème si vous avez sélectionné l'espace. Donc, je sélectionne le titre et je mets le style élevé. Comme ça. Et voici le deuxième. Je sélectionne et je mets le style élevé. Ou bien, je les sélectionne tous les deux en même temps. Voici la première sélection. Ouf la deuxième, je mets contrôle de clavier et sélectionner les tout, puis mettre élevé. Ou bien, tu vas mettre, tu fais la reproduction de la mise en forme, tu sélectionnes le premier titre, tu mets le style élevé et tu reproduis la mise en forme elle a le deuxième titre. Donc pour la deuxième tâche, en page 1, convertissez le tableau en texte séparé par des tabulations. Donc je monte dans le tableau, je mets le curseur dans une cellule. Et je vais à l'onglet dynamique disposition, convertir en texte. Et avec des tabulations,
On a le séparateur, ce sont des tabulations et je mets OK. Pour la troisième tâche, en page 2, sélectionnez la phrase, elle est désormais connue des liaisons très courtes. Donc, la page 2, il a dit, donc voici la phrase, elle est désormais connue. Donc ça, donc je sélectionne la phrase, admirant de la sélection comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la déplacer après le texte. Donc, le texte dont il porte officiellement le nom, après le texte qui est libre de la phrase. Donc, là, je vais faire couper. Alors, après le texte, wada, donc là, je mets coller. Mais, faites attention, mais sans la mise en forme en italique. Donc, je vais couper seulement, je vais conserver uniquement le texte, comme ça. Tâche 4, en page 2, modifier les couleurs du Smart Art en plage de couleurs, couleurs vives 2 à 3, et changer le style en effet moyen. Donc je vais dans le Smart Art, voilà, je le sélectionne, donc un onglet dynamique des les outils du Smart Art. Donc je vais dans création, et voici les couleurs, ils ont demandé couleurs vives 2 à 3, et il a dit couleurs vives 2 à 3. Et je clique. Après, j'applique le style effet moyen. Donc, j'entre dans les styles. Voici le style effet. Pardon. Le voilà. Un effet moyen. Et je clique comme ça. Donc, c'est terminé pour le projet 13.